Ça a été la course, hein, entre le bus qui n'arrivait pas, la pluie, les valises, quelle galère, vivement qu'on retrouve des vrais sacs à dos, des vrais bagages, quoi. Et ensuite, le ferry, on est arrivé à 45, il partait à 45, donc tout le monde s'est empressé de nous diriger, on nous a emmenés en petite voiturette pour qu'on ne rate pas le bateau. Et cette fois-ci, c'est bon, on est en direction de Dialoba. Donc il n'y a plus qu'à patienter. Ouais, c'est pas une éclaircie. Au fond, là-bas, tant mieux, parce que pour l'instant, ça drache. Allez, à bientôt. Arrivé à l'hôtel, petite visite de la chambre, rapide parce qu'il est temps d'aller manger. 14€ la nuit, petit déjeuner compris, je pense que ça peut être pas mal. On doit bien avoir une petite salle de bain cachée, non? Je vais vous montrer ça tout de suite. Ah, effectivement, elle est cachée. Bon, bah, y a une douche, un lavabo, voilà, la vie est belle. Oh, les toilettes! Thank you.
L'hôtel s'est fait, il était grand temps de se restaurer. Donc pour ma part, un Iskander, des haricots blancs, un peu de riz au pois chiche, de héran traditionnel, en direct de chez Karabiber. T'es pressé de manger. Merci Karabiber. Alors, tu te régales? Oui. Cet Iskander, une dinguerie. C'est un délice. Je sais déjà ce que je vais manger ce soir. Donc du pain avec de la viande, un peu de fromage et tout ça dans une sauce tomate. Excellent. Mais pour le moment, c'est mon repas. Ouais, donc moi j'en aurai droit ce soir. Oui. Dans un marché au centre de Yalova, donc on va aller faire un petit tour, apparemment fruits, légumes et fruits au choix. Et surtout, du thé. Un chai. Il fait pas très chaud à Yalova. Mais bon, normal, on est en plein hiver. Donc on va faire un petit tour et on va voir ce que ça donne.
cette petite pomme offerte gracieusement par un des commerçants. Bah, je vais la déguster après l'avoir lavée, bien sûr. Putain, elle est fort sucrée, hein. Grave. Très très bien. Merci. Eh bien voilà, nous voici à la gare routière. Nous choisissons notre véhicule pour demain nous rendre à Boursa. Chérie, qu'est-ce que tu préfères ? Moi, je pense que je vais prendre le Peugeot juste derrière. C'est le top, on va être super bien là-dedans. Sinon, il n'y aura t'as... pas la clim, rien, ça tranquille. Sinon, tu as celui d'à côté. Ouais, ouais. Enfin, c'est pas gagné, on n'est pas arrivé, je pense. Bon, on verra demain. On verra demain, voilà. Demain. On continue notre petit tour dans Yalova. Bon, pas évident. Hein. Ouais, c'est une station balnéaire, c'est bien l'été quoi. Voilà. Mais bon, on y est. On fait avec. On y reste. De retour à l'hôtel, car ce soir nous avons décidé de prendre notre repas en chambre. Et ouais, comme deux vieux quoi. Pas envie de sortir, pas envie de se rhabiller, donc on a pris sur la route vite fait des encas. Donc, un petit pidé. Bidé ? Pidé. Pidé avec un P comme papa. Ouais. Un petit pidé. Comme prout. Prout. Donc, aux légumes. Ouais. Et à la saucisse, hein, apparemment. Et un autre. Ah, la viande, ben, je ne veux pas enfin, tout ouvrir pour c'est vous montrer. Comme ça, mais ça, en fait. Ouais, en fait, ça a comme un petit bateau. C'est une pizza. C'est une bizarre. Spécialité. Ouais. Voilà. Ça va être bon. Les boissons. Ouais. Les boissons. Pour ceux qui n'ont jamais vu des boissons. Et le dessert. Attention, ça coule. Je pense que. Regardez comme ça glisse. Ouh, il y a du sucre. Il y a comme du miel. Il y a tout. Ça va être bon. Enfin, nous, on va se régaler. Hein. Ouais. Vous, je ne sais pas ce que vous avez prévu comme dessert. Une pomme, un yaourt. Waouh, Danette au chocolat. Ben nous, ça va être ouais. Super bien. Voilà. Donc demain, on reprend la route. Ouais. Le bus direction Bursa. Et il part toutes les heures, donc on ne sait pas à quelle heure on part. Quand on aura fini de faire toutes les petites manips sur l'ordinateur, on prend nos bagages et on se casse. Voilà. On est bon ? Très bien. Eh bien, écoutez, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Moi, oui, en tout cas. Moi aussi. Et sur ce, on vous dit. Bonne nuit, les petits.